Le sport, pour moi, c'est vital, indispensable, indispensable à mon équilibre. J'ai besoin, bien sûr, d'éliminer, mais j'ai besoin surtout souvent de me remettre en forme. Et pour me remettre en forme, je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Arrête. Ça va. On va essayer autre chose. Hein. Commissaire Bourret, ici Madame Tapchan. Oh, vous vous souvenez, commissaire, je vous avais téléphoné pour vous dire qu'on m'avait volé ma rivière de diamants. Oh, figurez-vous. Oh là là, c'est drôle. Figurez-vous que je viens de la retrouver dans mon coffre-fort. Ah, mais c'est trop tard, Madame Tapchan. Oui, vous savez, votre chauffeur, l'arabe, enfin l'immigré, quoi. Oui, ça a été un peu long, mais il a tout avoué. Oui, ne vous faites plus de soucis, rentrez bien chez vous, on s'occupe du reste. Ah bien, faites pour le mieux, c'est très bien. Merci, commissaire. À l'occasion du 400e anniversaire de la construction de la Tour de Pise, un événement en mondiovision que nous vous proposons de vivre. Pour cela, et sans plus tarder, nous allons rejoindre là-bas notre envoyé spécial. Regardez. Eh oui, en direct depuis la Tour de Pise, puisqu'aujourd'hui nous fêtons un anniversaire, la Tour de Pise a 400 ans. Au départ, une érection difficile, une érection compliquée, puisque érection sur des marécages. Et cette érection continue aujourd'hui encore à nous poser des problèmes, puisqu'elle s'enfonce. Elle s'enfonce ! Ah ! Trois choses qui prouvent que Jésus-Christ était juif. Premièrement, il a vécu jusqu'à 30 ans avec sa mère. Deuxièmement, il était persuadé que sa mère était vierge. Troisièmement, sa mère l'a toujours pris pour un dieu. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. Ça y est, la princesse Nahdin Imouk est acceptée dans le clan de Morin des Bois. Avec lui, elle se met au travail, piller les pauvres, mais d'abord les trouver. La bourse ou la vie ? Voilà qui est bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Toi bien, toi. Il y a un moment qu'on les cherche, ces nouveaux pauvres. Mais je le dis. On en parle beaucoup de ces nouveaux pauvres. Mais on les voit pas souvent. Nouveaux pauvres, petit Robert. Nouveaux pauvres apparaissent en général au cours d'une crise économique. Voir page 32. Allez, ça suffit, le dico. En route pour de nouvelles aventures. Mais avant... Un petit cabanon pas plus grand. Oh, ça suffit, Laura. Ça suffit. Quoi? Regarde, là-bas. Encore un autre endroit à piller. Encore ? On va y aller tout de suite. Viens ! Salut, mec ! Dis donc, Nadine, j'ai l'impression que le morceau est trop gros, là. Hein. Mais non, Morin. Je les connais depuis longtemps, je connais leur budget. Eux, c'est vraiment des clients pour nous. Allez, on y va. Bon, avant... Un petit cabanon. Oh non, ce soir, hein, pour l'instant, on y va. À l'attaque ! Allez, force, à l'attaque ! Force. Observez l'efficacité de la colle hyperglue. Attention, cette publicité a été réalisée sans trucage. Quand elle l'utilise, je suis comme un fou. Oui, ça tourne, c'est magique, autour de moi tout,
tout chavire. Il a cette petite chose en plus qui fait que lorsqu'elle l'utilise, elle est inoubliable. Femme, douceur, charme, tout à la fois. Ma séduction à moi, c'est Chaviro. Chavirol, le fromage frivole. Vous connaissez l'histoire des deux juifs qui sont au bord de l'eau ? Le premier dit au second, en mettant son doigt dans l'eau, oh, qu'est-ce qu'elle est froide ! Le second dit au premier, en mettant son nez dans l'eau, oh là là, qu'elle est profonde ! Une bonne nouvelle pour tous nos fans, les champignons du Mexique ont fait leur apparition dans nos sous-bois français. N'oubliez pas, il y a mille et une façons surtout de les consommer. Qu'est-ce qu'on bouffe ? J'en sais rien, ce qu'on bouffe, t'as qu'à bouffer ce que tu veux. Ouais. Je t'ai demandé ce qu'on bouffait. Fais-toi des pâtes si t'as envie de bouffer des pâtes. À nourrir ton petit corps. J'en ai marre de le nourrir, ce corps de minable. Des pâtes et la gueule de madame tous les jours en prime. La gueule de madame, t'as bien été content de la voir, la gueule de madame. Tu l'as supportée, et moi j'ai supporté la tienne suffisamment longtemps. Arrête de gueuler en plus. Je gueule, je suis obligée que de gueuler avec toi. Tu veux qu'on parle quoi, intellectuel ? Tu veux qu'on arrive à avoir une discussion tous les deux ? Qu'est-ce que j'ai avec toi ? J'ai de la merde avec toi, j'ai rien, rien, rien du tout. Tout le temps ta haine, tout le temps ta hargne. Arrête, arrête. Tu me dégoûtes. Ma mère, t'as bien été contente de la voir pendant quelques temps. Cette ivrogne, ma mère. Mais je suis comme elle. Depuis que je vis avec toi, je deviens comme ma mère. Une ivrogne. De la colle hyperglue. Attention, cette publicité a également été réalisée sans trucage. Gisèle, Gisèle, si je te revois une fois avec cet ouvrier-là, cet Algérien, ce Rachid, si je te revois une fois avec lui, je t'esquinte, hein? Mais papa, je l'aime! Il n'y a pas de papa et que je l'aime, hein? Si je te revois une fois avec ce Rachid, moi je te tue, je te le dis. Un ouvrier, un Algérien, dans la famille, rendez compte! Khalouf Ben Zitoun, Cheikh Koweïtien, mon gendre, Khalouf, Gisèle, ma fille, qui n'est pas une égrate. Ah non, ça, j'avoue que j'ai complètement changé. Moi, maintenant, je pense que si ma fille est plus heureuse avec un chef arabe qu'avec un français, c'est son problème. Il ne savait pas comment faire pour faire plaisir. Son genre. Il est gentil, elle, alors pas une ingrate. Il me refait le bas. Moi, j'étais le bateau. Moi, j'étais la voiture. Hier encore, il se ramène avec ça. Ça ne veut pas qu'on peut faire plaisir. Ah non, j'ai bien changé. Maintenant, ma philosophie, c'est ça. Si elle est plus heureuse qu'un étranger chez quelqu'un français, mais tant mieux. Je dis, Gisèle, fonce, sois heureuse. Voilà, la France, c'est ça. C'est une grande richesse. Des peuples qui se mélangent. J'ai changé. Monsieur, longtemps, vous n'avez pas voulu parler de votre peau. C'était un sujet tabou. Pourtant, elle subit les altérations dues à la pollution, au froid et au temps qui passe. Un homme moderne s'occupe de sa peau. Paco Banane vient de mettre au point toute une gamme d'entretien et de produits pour votre peau. Enfin, chez Paco Banane, une nouvelle ligne de maquillage. Pour que les hommes soient toujours des hommes. Merci Paco Banane. Depuis le début de l'histoire du cinéma, les dimensions de l'écran ont évolué. Le format carré des films muets a été remplacé rapidement par un format un peu plus rectangulaire. L'avènement du cinémascope n'a pas favorisé, il faut bien le dire, le rapprochement et la complicité des comédiens. Quant au superscope, n'en parlons pas, il n'a fait qu'amplifier le désastre. On nous annonce pour très bientôt, grâce à la vidéo, la création d'un format plus vertical qui, enfin, rapprochera les héros pour leur plus grande joie. We'll be right back.
défaillance sexuelle? Testiform. Le traitement efficace pour retrouver votre virilité de mâle. Edmé, je vous attends depuis 5 minutes. Encore, Jean-Marie? Vous n'y pensez pas, je suis exténuée, je n'en peux plus. Plusieurs fois par jour, t'entends même. Je n'en peux plus. En plus, les deux gens doivent venir ce soir à la maison, je suis. Vous êtes une vraie bête sexuelle. Oui, une bête sexuelle encore et toujours. Alors, je vous attends hélico dans mes appartements. Quant à vous, belle maman, en piste et comme à Saumur, hein? Toujours prête, avec plaisir, mon gendre. Oui, Testiform a réellement changé notre vie. Faites comme lui. Utilisez Testiform. Oh, quel bonheur! Et oui, bientôt mars 86. Dans certaines administrations, les placards ont déjà été nettoyés. Le premier met son doigt dans l'eau et dit à l'autre « Ouh là là, elle est froide !» Le second met son nez dans l'eau et dit à l'autre « Oh là là, qu'elle est froide !» Elle est profonde. C'est raté. On l'a refait.